Yo, c'est Senji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3-on-3 Freestyle. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus retrouvé sur le jeu. Hein. Avec la draft NBA, ça m'a donné envie de rejouer au jeu et donc d'en parler un petit peu. Hein. Le premier choix c'était les Spurs. Et évidemment ils ont choisi Victor Wembanyama. Après, bon, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. Je pense que le mec c'est vraiment un cheat code. Hein. C'est vraiment un joueur créé... Tu vois, sur la play, sur NBA 2K, tu vois, le mec, il est grand, il peut dribbler, il peut shooter. Il est vraiment hyper mobile pour sa taille et tout, donc... Le gars, tu sais qu'il est destiné à gérer dans le basket. Ensuite, le deuxième choix, c'était Brandon Miller, qui a été pris par les Hornets. Ça, j'avoue que ça m'étonnait, parce que pour moi, en fait, dans la draft, il y avait vraiment deux gars qui étaient au-dessus du lot. C'était donc Victor, hein, le premier... Et le deuxième, c'était Scoot Henderson. Je pensais que c'est lui qui allait être choisi deuxième. Après, pour les Hornets, tu peux comprendre qu'ils prennent Brandon Miller parce que lui, c'est un grand. Hein. C'est vrai qu'au niveau des guards, ils ont déjà pas mal de joueurs. Mais bon... Pour moi, Scoot Henderson est tellement bon que c'est un gars que tu pouvais pas ne pas prendre. Tu vois. Du coup, Scoot Henderson était troisième. Et après, il y avait les jumeaux Thompson. Et aussi, je savais qu'ils étaient bons. Ils ont été draftés en plus d'affilée, hein, en 4e et 5e choix. Donc le premier, il ira aux Rockets. Le deuxième, aux Pistons. Le reste de la draft, je t'avoue que je connaissais pas vraiment les autres joueurs. Hein. J'avais pas vraiment bien suivi. Les 4 que j'avais surtout bien suivi, c'était Wembanyama, Scoot Henderson et les jumeaux Thompson. En plus, ils ont tous été draftés au début, donc ce qui est logique. Après, Brandon Miller, je connais pas vraiment. Ça se trouve, après, il était très 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 bon. Bon, j'ai vu quelques highlights de lui vite fait. C'est correct, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est juste que ça m'a quand même étonné qu'il ait été pris deuxième. Mais après, voilà, on sait jamais. Ok, hop. Ah. Viter, je sais pas ce qu'il faisait, il devait ressortir la balle, hein. Ça faisait un bail. Oh, ça, je vais le prendre. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va shooter, hein. Ah, ça, ça rentre jamais, ça. Ok. On a le rebond derrière. Un de shot. Hop, shot ouvert. Ah. Et ce qu'il nous fait celui-là? Ah ok, il voulait absolument avoir son shoot là de... Oh, shot ouvert, hein. On va pas refuser ça. Ah, il est parti de l'autre côté. Ok. Ouais, voilà, la défense là, elle était pas bonne. Je pensais qu'il allait driver de mon côté là, mais... Ok. Non, je l'ai pas eu. Là, tu sais, il va shooter. Oh non, ok. Oh, là, normalement, Max aurait dû l'avoir là, mais bon. Parfois, ce jeu, il est bizarre. Hein. Ah. Et du coup, comme ça fait longtemps que j'étais plus sur ce jeu, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux persos. Je sais même pas c'est quoi leur capacité ni quoi que ce soit. Hein. Vraiment là, je reviens en mode touriste. Bon là, il n'y en a pas sur le terrain, mais... Ok, Cindy, je sais pas ce qu'elle fait. Hein. Bon, shot ouvert. Hein. Alors le Fred là, qu'est-ce que... Ah ok. On va la mettre à Rebecca. Ah, c'est fait. Alors Cindy, de quel côté elle va aller? Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh,
Ça, ok. Ok, vraiment en face là, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Ok, shot ouvert. Je savais même pas qu'ils avaient rajouté des émotes comme ça dans le jeu. Ok, shot ouvert. Aïe 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 aïe. Oh ok, il a drivé l'autre côté. Franchement, Cindy, je sais pas. Oh là 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 là. Oh, je suis coincé. Ok, c'est bon. On va la remettre à Rebecca. Hop. Fadeaway totalement inutile. Là, ça devient du flex. Là c'est juste du flex. Les Clark là. Voilà. Je peux avoir. Ah! Okay. Voilà, on va la remettre à Rebecca. Wouah, Cindy, elle a shoté en retard. Elle a sauté en retard. Soit tu te fais feinter, soit tu te fais pas feinter, mais elle s'est vraiment fait feinter en retard, tu vois. Allez hop, c'est fait, donne-moi ça. Voilà, on met Rebecca dans le coin. Ah, Clark, il faut lui mettre une collision là. Drive, allez. Ah! Oula! Ok. Je sais pas pourquoi j'ai été sauté là alors qu'il y avait Max qui était là. Bon, soit. On va la remettre à Rebecca. C'est fait. Ah, ok, elle est partie de l'autre côté. Hein. Wow. Oh, quoi? Non, je l'ai pas eu. Oh, j'ai pas une collision là-dessus. Voilà, allez, donne-moi ça. L'arme à Rebecca. Trois points ouverts. Ok, bon shot ça tu dis. Oh là là. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se reverra pour une prochaine vidéo.